Salut, 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 c'est encore Francis Conan dans une vidéo réaction. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous poser une question et qui est la suivante. Quelle leçon peut-on tirer d'une vidéo qui a une durée ou qui a une longueur de 55 secondes? Quelle leçon peut-on tirer d'une vidéo dont la durée est de 55 secondes? Vous voulez savoir la réponse? Restez accrochés. Voilà, donc je suis là, je suis de retour. Voilà, donc j'avais posé cette question, c'était pour introduire ma vidéo. Voilà, il faut changer souvent les introductions. Mais la question était laquelle? Quelle leçon peut-on tirer d'une vidéo qui a une longueur ou une durée de 55 secondes? Il y a de cela quelques jours, même pas quelques jours, c'est hier. Voilà, sur le site officiel de Majabu, il y a une vidéo qui a été balancée montrant les candidats ou un groupe de candidats en répétition. Cette vidéo a duré près de 55 secondes. Mais dans les premières heures qui suivent, la vidéo a eu plus de 4 000 vues. Tu me souviens, pour avoir même 100 vues, quand je commençais ma télévision YouTube, c'était tout un problème. Mais en moins de 55 secondes, cette vidéo que vous voyez devant vous a eu plus de 4 000 vues. Dans les heures qui suivent, a eu près de 5 000 vues. Et ça continue de grimper. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je réagisse. Comme ma TV ou mon canal, c'est un canal de réaction. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, il faut que je réagisse. Et j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais la première réponse à ma question, c'est qu'une vidéo qui dure 55 secondes et qui a un si grand nombre de vues de ce genre, cela nous dit, cela nous interpelle qu'il y a une soif des téléspectateurs. Oh, mon français, une soif des téléspectateurs, ceux qui regardent à la télé. Les spectateurs, ce sont ceux qui sont en live, mais des téléspectateurs. Il y a une soif des téléspectateurs de voir les épreuves, de voir le concours de chant commencer. Et ici, je vais donner ma réaction sur la pratique qu'ils sont en train d'amener ou qu'ils sont en train de mener. On va revenir pour voir vraiment. Voilà, donc. Voilà, donc comme je l'ai dit, ce genre d'exercice c'est très bon parce que c'est un exercice qui aide les candidats à développer leurs vibes, c'est-à-dire les harmonies. Ça, c'est un exercice vocal qui est très important ici aux États-Unis. Beaucoup de chorales utilisent ce genre d'échauffement de la voix. Donc, c'est très important. Et ça aide les candidats vraiment à explorer d'autres avenues. Mais on va continuer. Voilà, vous voyez sur mon écran la photo de Manassé Senda. Pourquoi j'ai mis sa photo? Je me suis demandé, voilà, est-ce que ce genre de candidats, comment ils vont se sentir lorsque ils seront devant ce genre d'exercice? Parce que ce n'est pas du tout le genre. Manassé, c'est quelqu'un de la rumba. On l'a jamais vu chanter dans un autre genre. Et c'est pourquoi j'ai mis sa photo. Parce que ce genre de style, c'est vraiment international. Mais je suis très excité de savoir ou de voir Manassé peut-être chanter dans ce genre de style. On ne sait jamais. On continue. Christelle Mboula. Encore une fois, Christelle a une très belle voix. Mais je suis impatient de voir Christelle dans un autre registre, à part la rumba, à part le congolais. Voir Christelle dans un autre registre, je suis vraiment impatient.
Êtes-vous impatient comme moi? Ah, je suis vraiment impatient. Oh. On continue. Le prince de la rumba gospel, Pascal. Je suis impatient de voir comment Pascal va sonner dans ce genre de style. Il a une belle voix, c'est sûr, mais je suis impatient. S'il doit chanter ce genre de style, comment il va sonner? Ce genre de style, on le connaît. C'est Stevie, c'est Grace Mouadi, c'est beaucoup de, Alice, non, Olga, c'est ce genre de style-là. Mais les candidats locaux, le typique chanteur congolais de rumba, comment il va sonner avec ce genre de style? On continue. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est. Voilà. Et vous voyez, derrière moi, il y a le drapeau américain. Voilà, ça, c'est le gospel typiquement américain. Voilà, donc, dans une version lingalophone. Voilà, donc, c'est ce genre d'exercice amène les candidats à sortir un peu de leur zone de confort. Voilà, c'est tout. Voilà, donc, vraiment, j'aime ça. Voilà, voilà, on entend d'autres candidats. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais cela peut être compliqué, mais c'est très important. Le sujet de cette vidéo, c'était vraiment pour pouvoir, bon, pas amuser la galerie, mais pour pouvoir dire que ce genre d'exercices sont importants et ça amène vraiment les candidats dans d'autres registres. Mais voilà, donc voilà, voilà. Ils s'entraînent et près de 4000 personnes ont déjà vu cela, près de 4000 personnes, une vidéo de 55 secondes, waouh, cela veut dire qu'il y a une soif quelque part. Je m'excuse, je me répète parce que la répétition est la mère des sciences, mais ce n'est pas la science que je fais, mais cela veut dire simplement que les téléspectateurs ont soif. C'est vrai, ils sont dans le cadre paradisiaque de Malaika House, mais on veut que ça commence bientôt. Voilà, on continue. Voilà, 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 voilà. C'est encore une fois, c'est beau, mais j'ai mes petites réserves aussi en tant que critique. C'est vrai que ça, c'est vraiment un style international, mais il ne faudrait pas que se porte trop l'accent sur ce genre de style pour dénaturiser vraiment même la couleur locale ou régionale de ce concours. C'est vrai, on veut chanter comme le R&B, on veut chanter comme le CC Winehouse, mais il faut garder son identité culturelle, il faut garder son identité africaine et il ne faudrait pas qu'on mette trop l'accent, trop l'accent sur ce genre de style. Mais il faut d'abord que le message, parce que c'est avant tout sur le message et l'identité culturelle. Voilà, donc je ne suis pas contre, mais il faut que tout un chacun, les candidats, il ne faudrait pas qu'ils soient frustrés parce que ça peut frustrer certains candidats qui ne sont pas à l'aise dans ce genre de style. Mais je leur dis très simplement, restez ce que vous êtes. Pascal, Soukaina, restez ce que vous êtes. Apprenez ce genre de style, mais gardez votre originalité parce que c'est cela qui fait votre spécificité. Donc, une fois encore, c'était Francis Conan. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette vidéo? Vous avez dit, donc ça pour dire que c'est un peu de déconfort. Un peu de déconfort. Mais j'aime ça. C'est un peu de déconfort. Mais j'aime ça parce que ça vous pousse à aller au-delà de vos frontières. C'est vraiment bon, c'est vraiment. Allez, on continue. Voilà, mon jingle m'a surpris. Mais dans tous les cas, c'était Francis Conan encore une fois dans une vidéo réaction pour pouvoir intervenir sur cette petite vidéo de 55 secondes, mais qui est en train d'avoir des vues vraiment inexplicables. La raison pour laquelle les téléspectateurs
veulent, ont soif que le concours commence. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Voilà, et je vais publier mes vidéos en fin de semaine, les vendredis et les samedis. Voilà, pour que tous ceux qui sont dans d'autres tropiques puissent les avoir dans un temps opportun. Et avant, j'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont cru dans ce projet. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi, priez pour nos familles et priez pour Majabou, priez pour tous les candidats aussi. Et la prochaine vidéo sera sur une analyse des meilleurs moments de nos ambassadeurs. Vous voyez, dans toutes les vidéos qu'ils montrent à la télévision, le caméraman souvent tourne sa caméra vers les ambassadeurs. Et ces moments de vidéo, ces moments de télé sont très importants parce qu'ils captent des expressions faciales, soit la colère, soit la joie, soit la frustration, soit l'incompréhension. Voilà, ma prochaine vidéo, très certainement dans quelques heures, va montrer les meilleurs moments d'expression faciale de Majabou, un gospel talent. Il y a plus de 100 vidéos. Je ne peux pas aller en profondeur, mais je vais sélectionner quelques-unes des vidéos qui, selon moi, ont montré vraiment la joie sur le visage de nos ambassadeurs. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de souscrire. Allez dans le coin de la vidéo où il y a ma photo. Voilà, vous cliquez là-dessus et voilà, vous souscrivez, vous likez et voilà, on reste accroché. L'aventure continue, comme le dit mon logo. Listen, react and share. Écoutez, réagir et partager. Que le Seigneur vous bénisse.